Salut tout le monde, ici Sonami Gamer pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose ma collection d'amiibo. J'en ai environ une bonne dizaine. On va commencer tout d'abord avec les collections Super Smash. Et le tout premier amiibo qui m'a vraiment poussé à faire une collection, il s'agit de Sonic, mon personnage favori. C'est voilà quoi, le hérisson le plus rapide du monde, le Sonic the Hedgehog, comme diraient les en voix anglaise. Non, franchement, celui-ci c'est une magnifique figurine. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir. Et pour ma part, je l'ai acheté dès le jour de la sortie et franchement, je suis vraiment content de l'avoir. Et grâce à ce Sonic, par la suite, ça m'a poussé à faire une collection d'amiibo. Et franchement, si vous êtes un petit fan du hérisson bleu ou si vous êtes fan de Sega, franchement, je vous conseille de l'avoir. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, pour continuer dans la série Super Smash, celui-ci, c'est le dernier amiibo que j'ai acheté. Il s'agit de Ryu de Super Street Fighter. Moi aussi, je suis un fan de Street Fighter et franchement, j'ai pas loupé l'occasion pour avoir celle-ci. On peut encore la trouver, je pense, dans les magasins. Et celle-ci, franchement, je la trouve vraiment magnifique, superment bien réussie. Et pour un fan de Street Fighter comme moi, ça fait super plaisir. Ensuite, celui-ci, Pac-Man, la fameuse boule jaune qui se fait poursuivre par les fantômes. Franchement, celui-ci, je le trouve vraiment bien réussi, original. Il est beau, quoi. Je trouve qu'il est vraiment original. Et pour ma part, celui-ci, je l'ai eu gratuit parce que, en fait, j'avais eu un bon de réduction à Game Cash pour mon anniversaire. Mais comme mon bon de réduction, il valait la même somme que cet amiibo-là, ben, j'ai eu la chance de l'avoir gratuit. Donc, voilà pour la petite anecdote. Et en tout cas, non, franchement, je suis vraiment content d'avoir dans ma collection celle-ci. Ensuite, j'ai Mario que j'ai acheté avec mon pack Wii U, qui celui-ci franchement je le trouve magnifiquement sublime avec la boule de feu Mario qui se tient. Non, franchement il est magnifique, je trouve qu'il est franchement bien reproduit. Nintendo, on voit qu'ils sont fait vraiment de magnifiques amiibo, je vois. Je trouve qu'ils sont vraiment bien progressés aussi. Et si, voilà quoi, franchement, si vous la trouvez par hasard ou si vous achetez Super Smash en édition collector, bah je sais qu'il y en a encore quelques-uns dans certains magasins. Franchement, celui-ci c'est une très belle figurine, franchement. Ensuite, j'ai Little Mac. Celui-ci, pour ma part, je l'ai eu à la Fnac pour 12,95€ ou 95€ si vous êtes français. Et non, franchement, celui-ci, c'est une très belle figurine, super bien reproduit. Et c'est vrai que c'était dommage avec les problèmes de rupture de stock de Nintendo, cette histoire-là, que ça fait monter à des sommes à plus de 100€. Franchement, je serais abusé. Et franchement, je suis vraiment content que Nintendo a reproduit ces amiibo qui sont été, on va dire, rares. Et comme ça, ça met à l'occasion pour les fans comme pour les collectionneurs, de racheter les amiibo qu'on n'avait pas encore eu. Et franchement, celui-ci, c'est un amiibo que j'adore beaucoup. Et c'est un personnage que je joue beaucoup avec Sonic et également Samus sans armure. Mais voilà quoi. Et franchement, je vous la conseille de l'avoir parce que franchement, elle est originale. Ensuite, évidemment, je joue beaucoup avec Little Mac et particulièrement Sonic. Ben, j'ai celle-ci aussi, c'est Samus sans armure. Oui, je suis un fan de Samus sans armure, j'aime bien son look. Franchement, elle est stylée, quoi. Et puis, Metroid, c'est pas n'importe quelle licence, c'est une très bonne licence. Et franchement, je la trouve superbement bien faite et je suis vraiment content de l'avoir. Et donc, comme je vous l'ai dit, mes trois personnages que je joue le plus dans Super Smash, c'est Sonic, Little Mac et Samus sans armure. Et si vous êtes un fan de Metroid, franchement, je vous conseille de l'avoir. Ensuite, la série Super Smash est finie. Maintenant, on va passer à la série Mario Maker. J'ai tout d'abord celui-ci en couleur classique, le Mario classique couleur classique, qui pour l'occasion des 30 ans, comme vous le savez tous. Et franchement, je suis vraiment content de l'avoir parce qu'elle est magnifique, je trouve. Et je l'ai laissé en boîte parce que j'ai trouvé la boîte magnifique. Et franchement, je suis vraiment content de l'avoir. Il est très beau. Mais je n'ai pas que celui-ci, puisque j'ai celui-ci, mais sans boîte. Il s'agit du Mario couleur moderne. Voilà les deux que je rassemble. Et franchement, je suis vraiment content d'avoir les deux parce que les 30 ans de Mario, ça se fait pas tous les jours. Et je suis vraiment content parce que je les trouve vraiment très réussis en mode rétro comme ça. Et ça fera certainement plaisir aux collectionneurs rétro gaming. Franchement, si vous êtes un fan de Mario ou un fan de rétro, ces deux amiibo là, je vous les conseille fortement.
Ensuite, j'ai la série Yoshi de. C'était quoi encore le jeu sur Wii U, ouais? Le Yoshi, Yui, je sais plus quoi, un truc comme ça. Il s'agit du Yoshi de laine, qui celui-ci, franchement, je le trouve adorable. Franchement, il est vraiment réussi. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection parce que c'était un amiibo que je voulais fortement, je veux dire vraiment. Et c'est vrai qu'il trône bien ma petite collection d'amiibo avec le Sonic et les Mario Maker. Donc, franchement, je suis vraiment content d'avoir. Et c'est vrai que c'est une très belle petite peluche de Yoshi. On peut dire ça. Ensuite, pour terminer ma collection, on va terminer avec les deux amiibo de la série Super Mario. Deux que j'ai. J'ai tout d'abord Luigi. Qui celui-ci, franchement, je le trouve super beau. Il est magnifique. Moi, j'aime bien sa posture et tout. J'avais beaucoup hésité avec le Luigi Super Smash. Mais finalement, j'ai craqué pour celle-ci parce que j'aimais bien sa posture. Et pour le dernier, il s'agit de Yoshi. Yoshi, là, voilà quoi. Moi, je suis un fan de Yoshi aussi. Dans la série Super Mario, et franchement, je le trouve vraiment super beau. Mais je vous avoue que je préfère plus de Yoshi de laine parce que c'est voilà quoi, ça fait plus Yoshi mignon. Mais celui-ci, j'aime bien aussi. Je l'ai acheté parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Voilà pour ma collection d'amiibo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne ainsi que sur mon blog qui est Son Ami Gamer Skyrock. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao!